Bonjour à tous. Gagnant 90 contre 1, une dame qui l'entraîne qui nous dit ben, vous pouvez l'écarter, le cheval à cette valeur n'a pas de chance, et ben voilà, ça gagne. Je salue quand même sa cavalière qui a super bien gagné, qui était enthousiaste et qui a dédié sa victoire à un jockey qui vient de disparaître. Donc chapeau et hommage à ce jockey. Au passage, mon favori, regardez la course, il est tenu dernier et il est course foutue dès le départ. Et des coups de bâton à l'entrée de la ligne droite, alors que le cheval est nettement battu. On se demande pourquoi on donne des coups de bâton alors qu'on est battu volontairement en queue de peloton. Bon, c'est comme ça, c'est comme cela. Un quintet oublié. Ce mardi, à Chantilly, on va s'enthousiasmer avec peut-être enfin Terre de guerre le 16. Alors quand on entend le futur président des États-Unis nous dire qu'il va arrêter la guerre en Ukraine, eh bien, Terre de guerre lui donne l'occasion d'essayer de tenir pour une fois ses promesses. Est-ce qu'un élu sur cette terre, sur cette planète, va un jour tenir ses promesses? On croise les doigts pour la paix, bien entendu. Ce 16, le handicapeur lui donne la course, je le mets en tête. Voilà. C'est pas compliqué. Le 7 My Fancy m'a super plu la dernière fois. Grandin est en forme. Tous les feux sont au vert. Le 5 Love is Gold, il est comme moi. Il aime le sable. Le sable, ça sent les vacances et tout. Et c'est un cheval d'hiver. Et moi, je pense qu'il va super bien courir. Le 5, mon jeu de la finale appelle le 15 Népalais. Je vous le conseillais l'avant-dernière fois. Il finit bien trop tard, tenu trop loin. 6e. J'insiste la dernière fois. Il est tenu moins loin. 5e. Marie Vélon, il ne faut pas le tenir trop loin. Marie, si tu m'entends, tiens-le pas trop loin et là tu gagnes avec Népalais. Donc, si vous connaissez Marie, hein, vous lui dites, il faut y aller avec Népalais. C'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré, que je vous donne tout le temps. Donc, je vous le remets. Et puis, je salue mes amis stéphanois parce que je ne peux pas mettre en dehors de ma sélection, comme à chaque fois, Saint-Étienne, le numéro 10. Alors, vous le savez, les Stéphanois, hein, face au derby avec l'Olympique Lyonnais, ils ont pas trop de chance, hein, mais ça va, la chance va tourner, Saint-Étienne, allez les Verts, allez les Verts. Bon, le 10, je suis obligé de le mettre, vous l'avez compris. Le 3, Central Park West est dans son jardin, il adore cette piste, cette surface en sable. Il faut le racheter. Et puis le 12 Koschenko, je le trouve bien placé au poids et il doit courir propre. Et puis, j'ai un autre chouchou que je mets tout le temps. Il a baissé de valeur, mais il a en même temps baissé au poids. Il m'avait ébloui à l'âge de 3 ans. Il avait fini comme une balle. Il avait gagné en cheval valant un groupe tellement il avait enrhumé tous les chevaux du quintet en gagnant. C'est Pont Mirabeau. 14. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, hein, la Seine a beaucoup coulé depuis, mais je ne peux pas l'enlever de ma sélection. Maintenant, il va servir de leader, de cheval de jeu et à l'entraînement de survie, le crack survie. Moi, j'aimerais bien que Pont Mirabeau me donne raison à belle cote. Ce 14, je suis obligé de vous le mettre. 16, 7, 5, 15, 10, 3. 12 et 14. Madame Colombo vous donne le 4 Cléora. Et puis, je vais vous donner des chevaux mystères. Le premier, c'est un mausolée en marbre blanc qui a été érigé par un empereur moghol. C'est un endroit que j'aimerais bien visiter. Pour l'instant, j'aimerais bien aller là-bas. Ben, c'est le nom de mon premier cheval mystère. Le deuxième, alors c'est marrant parce que ce 007, il est dans la même réunion, mais cité deux fois. Alors je suis plus chaud sur le premier que sur le deuxième, mais les deux 007, ces agents de Sa Majesté, sont tous les deux en capacité de bien faire. Mais je suis plus chaud sur le plus jeune des deux. Et puis, ceux qui aiment danser avec les robes et tout en Espagne, eh bien, si vous aimez ce folklore espagnol et cette danse, vous allez trouver un autre cheval mystère. Et puis, il y en a un, je suis obligé de vous le dire, mais là aussi c'est bizarre. C'est un entraîneur qui, le 24 décembre au soir, va vous proposer de faire la fête, mais ils sont deux à porter le même nom, mais je suis plus chaud.
Parce que dans cette nuit-là, généralement, on met le nom du driver dans la crèche. C'est très rare. Il fallait que je brode une histoire là-dessus. À vous de chercher ces chevaux mystères.